Coucou à tous, bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous allez très bien. Je suis très contente de vous les trouver avec une nouvelle recette aujourd'hui. La recette que je vais partager avec vous aujourd'hui, ça sera comment faire des croquettes d'Yam à la maison. C'est une recette très simple et facile à réaliser. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer des nouvelles recettes. Je vais vous montrer les ingrédients que vous aviez besoin pour réaliser les croquettes d'Yam à la maison. C'est très simple et facile à réaliser et c'est très délicieux. Voici les ingrédients que vous aviez besoin pour réaliser les croquettes d'Yam. Pour les ingrédients, vous aviez besoin de d'Yam. J'ai découpé mon yam et puis lavé un yam. Ensuite, vous aviez besoin du beurre, 2 cuillerées à café de beurre mou. Et vous aviez besoin de un échalion ou oignon. Si vous n'aviez pas d'échalion, il faut remplacer avec un oignon. Ensuite, vous aviez besoin de l'huile de friture, une bonne pincée de sel, une bonne pincée de poivre noir moulu. Ensuite, vous aviez besoin de la chapelure, du pain. Ensuite, vous aviez besoin du lait concentré non sucré, une boîte, 170 g de lait. Ensuite, vous aviez besoin de 100 ml de lait liquide et c'est tout. On va commencer la préparation. Pour commencer, dans une casserole, je vais mettre les yams dans la casserole. Ensuite, mettre de l'eau et puis porter à l'ébullition 15 minutes. Je vais les bouillir 15 minutes, les yam. Après 15 minutes de cuisson, voici mon yam. Après 15 minutes de cuisson, je vais utiliser ça pour écraser, pour masser. Après avoir malaxé l'yam, maintenant je vais rajouter le poivre noir moulu. Ensuite, je vais rajouter le lait non concentré sucré, le lait concentré sucré plutôt. Ensuite, je vais râper mon échalion ou oignon si vous aviez. Si vous n'aviez pas, il faut remplacer. C'est la même chose. Ça fait le même travail. C'est le nom qui est un peu différent, sinon c'est la même chose. Ensuite, je vais rajouter le beurre. Je vais utiliser ma main pour faire le travail. Il faut vous rassurer que vos mains sont propres. Je vais mélanger le tout. Après avoir fini de mélanger le tout, maintenant je vais former les boules. Il faut faire la forme au choix. Et voilà, il faut répéter la procédure.
Après avoir formé les boules, maintenant on va continuer la préparation. Je vais prendre une boule. Il faut plonger dans le lait, tourner. Il faut l'étirer. Ensuite, plonger dans la chapelure. Et voilà, il faut répéter la procédure. Et voilà, maintenant on va passer à la friture. Dans une casserole, il faut déposer la casserole au feu. Ensuite, il faut rajouter l'huile végétale. Il faut laisser l'huile chauffer avant de frire les croquettes. Maintenant, mon huile est chaude. Je vais frire. Il faut frire les deux faces. Il faut laisser dorer. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Je profite de remercier à tous ceux qui m'encouragent. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je demande à tous ceux qui ne se sont pas abonnés, abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Voilà, mes croquettes sont prêtes, je vais les retirer. Voilà, mes croquettes sont prêtes. Merci de regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. La vidéo d'aujourd'hui, c'était des croquettes d'igname à ma façon. Très simple et facile à réaliser. Merci. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye!